Salut à tous, c'est Mr Freeze. Donc là, c'était une énigme que j'avais loupée. Donc elle n'est pas très dure, suffit juste de tuer les ennemis dans le bon ordre. Bon, pour les lapins, le plus efficace ça reste ça. On peut le faire à la bombe aussi. Une bombe lapinicide. J'en aurai en aérosol. J'étais déjà de la merde dès le début de la vidéo. Alors ça va être une vidéo au niveau des commentaires qui va être... Enfin pas qu'au niveau des commentaires. Un peu spécial. Alors déjà au niveau des commentaires c'est parce que je peux pas parler fort en fait. Car il est actuellement 1h du matin. La température extérieure étant de 45 degrés. Déconne. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que... On va chercher une fée, en fait. J'ai failli faire une blague pourrie, là, mais il y a des enfants, donc... C'était le nom de la fée, en fait. Je vais me retenir. Donc là, je peux pas gueuler, je peux pas faire le con... Voilà. Enfin, je le fais jamais non plus, quand je peux le faire, mais... Mais je peux encore moins le faire. Et je fais ça tout à fait logique. Alors. Voilà. Quand on commence. Voilà le boss. Donc c'est un génie de la lampe. Vous allez voir ce qu'il fait. Alors déjà, il est en deux phases. Première phase, il faut esquiver les flammes. Voilà, il rentre dans sa jarre. Bon, il parle trop, hein, déjà, il est casse-couille. Il a raison, hein, on peut pas. Donc seul moyen, bien sûr, utiliser l'objet qu'on a dans le donjon. On prend ça, on lui envoie sur la gueule, trois fois, je crois. Ou deux. Et après, une fois que sa jarre sera cassée, il y aura la deuxième phase. Vous voyez qu'il a un peu une gueule, enfin c'est un génie qui n'existe pas de deux. Il parle, il casse les couilles, mais il n'existe pas de deux. Si, il remplace ma belle-mère, peut-être. Merde. Putain. Je vais en m'en prendre plein la gueule. Bon, vous voyez, il nous coupe, je passe en mort. Oh bah non, deux fois, ça suffit. Il a un peu les yeux de Picsou dans sa jeunesse. Qu'est-ce qui vient, hein. Ah, c'est vrai que j'ai l'étoile en plus. Le... grande puissance. Je fais plus de dégâts du coup. Ah oui. Ça se conserve contre les boss. Et maintenant, vous voyez, hein, pas compliqué quand on a technique, comme la plupart des boss d'ailleurs. Je retire ce que j'ai dit. Parce qu'après je vais avoir l'air con si je me fais défoncer. Et là. Hop. Les portails à l'entrée du donjon, comme d'habitude. Prairie, prairie, elle t'attend. Voilà, donc alors où on est? Parce que là ça fait à peine... enfin, à peine, c'est déjà beaucoup. 4 mois que j'ai pas enregistré, donc... Donc là, en haut, je sais pas si je vous avais montré, non. En haut, il y a l'œuf du poisson rêve, en fait, on verra ça plus tard. Alors là, on va aller chez le photographe. C'est pas obligatoire, mais c'est fun. Ah ouais, merde. Ça c'est chiant, j'avais pas pensé. Alors attendez. Ouais. On va repasser par la forêt. Quoique... moins de passer par autre part, on va pas se gêner. On va essayer de passer par là. Donc ici il se trouve un coquillage.
Alors il faut savoir que Toutou nous... Oui, j'ai compris là. Alors quand on est avec Toutou, il nous indique tous les endroits des coquillages. Hein. Dès qu'il y a un coquillage, je fais ouf, creuse. Oui, donc il part. Hein. On s'en fout un peu. Je sais même plus ce qu'il y a ici. Il n'y a rien. Non, je vous dis, je suis un petit peu dans le côté là. Enfin, je... Pourquoi... Je vais la fermer parce que j'avais raconté ma vie. Disons que je sors de... Oui. Enfin voilà quoi. Alors là, un quart de cœur qu'on peut pas récupérer. Enfin, je compte avec que j'aille dans la forêt normalement. J'irai au retour en fait. Parce que là c'est un peu foutu. Ah mais je fais que de la... Je fais n'importe quoi. Hein. En fait là je vous explique, je suis censé retourner au village. Et en fait je fais tout le contraire. Bon bah en attendant je vais parler un peu pour vous occuper. Non, attendez. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah d'accord. Génial. Bon voilà, on se retrouve ici. Bon, j'ai fait exprès hein, pour vous faire visiter la région bien sûr. Donc. Comme je suis un professionnel de l'escrime. Hein. Mon professeur Cédric ça. Hein. Alors attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est juste à l'écran en dessous. Oui car oui, je ne connais pas par cœur l'emplacement des coquillages, des carrecœurs et autres. Je connais pas ultra bien ce Zelda en fait. Ouais, bah non, c'est pas ici. Bon, bah génial. On sollicite de solutions de se mettre à ne pas mettre les bons trucs, ça va le faire. À repasser. Alors, attendez. Et quoi ici? On lui est. Alors. Non mais là je cherche désespérément, mais... Ah bah voilà. Franchement vous pouvez applaudir parce que dans l'état où je suis j'ai les yeux qui crament, je vois même plus l'écran. Non franchement, franchement c'est un exploit. Alors trouver si vite le quart de cœur. J'ai à peine utilisé la moitié de la vidéo. Non c'est ironique hein, bien sûr. Vous pouvez m'insulter si vous voulez. Un autre coquillage. Alors pour les coquillages photo et quart de cœur, je vais peut-être pas faire ça à chaque fois. Tu es le gland, hein. Tu es trois fois plus clair. Tu es le cuni. Non, je vais mettre. Je vais dire tu es le cuni d'une bite, mais ça le fait pas. Ce que je voulais faire. Ah voilà. Attendez, je vais vérifier mon nombre de coquillages. 5, ok. Ah merde, putain, mais oh là, mais. Sérieux, mais tirez-moi une balle dans la tête parce que. C'est quand même grave hein, à ce niveau-là. Voilà, c'est bon. Ou faut lui parler. Non, faut lui parler. Ah, et moi aussi. Trop gentil. Non mais ça c'est une récompense, franchement, digne des plus grands rois quoi. Non mais moi la prochaine fois je veux que Napoléon me... rien. Bon. Alors... Il y a quoi ici?
dans le panneau. Enfin, dans le trou plutôt. Putain, mais. Non, mais le niveau me vole au fond. Alors. Voilà. Je crois que je vais me tuer tout seul parce que. Voilà. Je vous dis, je vais un peu au pif. Enfin, je sais où faut aller, mais. Je dois d'abord aller au photographe. Bon, on est allé tout à l'heure d'ailleurs. Bon, ça va sortir. Je devrais y arriver assez rapidement comme ça. Voilà. Bon. Alors ça, il faut savoir que c'est totalement optionnel. Il vaut mieux commencer à le faire à partir de ce moment-là du jeu. Donc là, il y a moyen de faire une autre photo. Enfin, il y a une photo, mais il y a deux moyens. Enfin, on part deux photos différentes. Pas en même temps, hein, soit l'une, soit l'autre. Donc soit vous faites oui et vous prenez une photo normale. Soit vous faites non. Prendre photo non. Prendre photo encore non. Voilà, il va nous poser la question pas mal de fois. Et vous répondez non jusqu'à ce qu'il vous demande si vous voulez un sundae à la vanille. Après, il nous faut un. Bon, on voit où c'est parce que j'ai volé dans le magasin. Donc, ça sert à rien de choisir son nom au début, de toute façon. Voilà. Et voilà. Et là, on peut voir toutes les photos qu'on a prises dans le jeu. Donc en tout, il y en a. Si je ne me trompe pas, il y en a 20. Non? Ah bon. Voilà. Bon, imprimé, c'est parce qu'il y avait une imprimante avec la Game Boy Color avant. Ça, c'est parce que j'ai volé dans un magasin. Voilà. Et quand on a toutes les photos, on est content. Oui, oui, c'est tout, on est content. Y'a rien. Vous allez me dire pourquoi je gâche 10 minutes de vidéo juste pour aller chercher une photo. Bah pour le fun. C'est intelligent. Hein. Enfin, bon. En fait, si j'ai fait ça, c'est parce que bon, je vous montre un peu tout le jeu. Et surtout parce que là, y a des photos qu'on peut louper dans le jeu en fait. Et vu que j'ai pas envie de les louper, bah. Vu que j'ai envie de toutes les montrer, bah. Là, il y a une photo qu'on va bientôt louper en fait. Enfin, il y a une photo en fait, si on la fait pas bientôt, on la loupe après. Donc je voulais avoir le photographe avant quoi. Avec une déco d'intérieur. Oui, je suis inspiré par les commentaires, vous avez remarqué. Donc ça, c'est rien. J'ai pas fait exprès. Donc ça, c'est des téléporteurs, vous verrez plus tard dans le jeu. En fait, on peut aller d'un téléporteur comme ça à un autre. C'est l'équivalent des. Là, comment ça s'appelle? Attendez, je vais retrouver le nom. Alors là, on va faire un mini-jeu. Vous devez deviner où est Link. Bon, c'est de la merde. Alors, voilà, de l'équivalent des arbres à graines vent dans les oracles. Alors, lui en fait. Quand je me suis enfui, ça m'a fait penser à un autre jeu. Alors là, vous allez me dire what the fuck, en fait, ça me fait penser à Diablo 2. Puisqu'il y a une quête au début, dans l'acte 1. On commence par un dialogue qui dit
quand je me suis enfui du monastère. Je sais pas pourquoi ça m'a rappelé ça. Je peux pas comprendre. Enfin bref. Donc on a plein de photos à faire, mais je vais pas vous les montrer maintenant. Pour la simple et bonne raison que ça me casse les... que j'ai pas le temps. Donc. Non, je vais vous les montrer, je pense, les photos, mais voilà. Voilà, et maintenant on se met ici. Avec une superbe animation 3D et tout là. Voilà. Et la richeur. Vous avez pas suivi le dialogue d'avant. Je vais vous résumer un peu ce qu'il faut faire. Oula, tourne-moi le portrait, c'est une métaphore. Attends, c'est ses doigts, Link là. Oulala. Putain, il a mangé des asperges. Hein. Donc, voilà. Et ça, c'est une photo qu'il faut impérativement faire à ce moment-là. Parce que vous verrez que bientôt, bah. La photo. On pourra plus la faire parce qu'il n'y aura plus la porte en fait. Donc, il y aura quelques autres photos aussi, comme ça. Il faudra faire avant un certain moment du jeu. Si on les veut. Et alors là, c'est assez original. Puisque, en fait. La quête des échanges, il faut absolument l'avoir fini jusqu'aux bananes en fait. Sinon, bah, on pourra pas continuer le jeu. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous dire ce qu'il faut faire si vous avez pas trop suivi le dialogue. Je vais passer un peu vite d'ailleurs. Bah en clair, Richard en fait, celui avec qui on s'est fait prendre en photo là. Celui qui nous a tiré le portrait. C'est le photographe. Non mais Richard en fait. Non, j'ai 40 en vert, cœur de bon. Bon, je vais la fermer. On va dire ce qu'il faut faire vraiment. En fait, Richard il est. Il avait un château avant. Bah là où on se trouve actuellement. Et il veut récupérer ses feuilles d'or qui sont ici. Donc si on lui trouve ses 5 feuilles d'or, il nous donne la clé du donjon. C'est aussi simple que ça. Voilà la première feuille d'or. Bon, je me suis un peu fait niquer. Un peu fait. Alors, je trouve même plus les mots français, ça va être vulgaire là. Non mais c'est l'heure, hein. J'accepte pas. Je suis pas devenu plus vulgaire qu'avant. Alors bah faites pas chier. Non, ce que je fais, c'est que je peux pas parler fort, donc du coup je dis de la merde et. Je dis des bêtises. Puis voilà quoi. Vous allez voir, les feuilles d'or en général c'est pas compliqué. Hein. Il y en a juste une qui est... C'est un peu débile pour la trouver. Donc là on a deux feuilles d'or. Je tiens un truc contre l'arbre. Pour avoir la suivante. On n'active pas à aucun moyen de les perdre, les feuilles d'or. Puisqu'elles sautent directement vers nous. Ou pas loin. Voilà. Vous avez pas besoin d'un GPS Mappy pour les trouver, on vous inquiète pas. Tom Tom, ou Nana. Si vous comprenez pas la moitié de ce que je dis, c'est normal. Hein. Même moi, je comprends pas. Donc. Voilà, une feuille d'or. Écoutez, j'arrêterai la vidéo. Quand j'aurai faim. Non, sérieusement, j'arrêterai la vidéo quand j'aurai les 5 feuilles d'or. Là, il m'en manque 2, il me semble. Ouais. Donc, on va passer par là. Et alors là, il me semble qu'il y a un truc ici. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est la feuille d'or la plus dure à trouver. Les autres, tranquille. Hein. Comme le gars, ça s'appelle un richouz, quoi. Je pense qu'il faut que des feuilles d'or partout comme ça.
Après, vous devez vous demander pourquoi j'ai fait la taxicone. Donc, il y a une explication à tout cela. C'est que j'avais envie. Je suis lourd là, je dis que des blagues nulles, mais c'est même pas des blagues. Mais bon, j'ai la motivation d'enregistrer. Et on dirait pas comme ça. Mais... Donc là, on jette un pot contre la porte. Je peux le bourrin. Je n'ai pas compte si vous attaquez, vous ruinez. Ça suffit. Et voilà, les 5 feuilles d'or. Ah, mais les nuages, c'est richeur. Au lieu de la clé. C'était un peu le but en même temps. On descend. Ce qui m'éclate, c'est le petit détail que quand il marche dans les escaliers, il va moins vite quoi. Si vous regardez bien. Cliché, faut vraiment se faire chier pour se rendre compte de ça. Putain, c'est grave. J'arrive même pas à descendre. Voilà. Donc tout à l'heure, vous avez vu, on a marché sur un bouton qui permettait de voir la porte d'ici. Et c'est pour ça que si vous ne prenez pas la photo avant de voir la porte, bah... Après, vous pourrez plus la prendre, quoi. Alors attendez, faut pas que j'aille n'importe où, là. C'est ce que je fais, d'ailleurs. On va aller par là. C'est bon, c'est la bonne route. Voilà. On amène les 5 feuilles d'or à Richard. Putain, mais je peux pas m'empêcher d'avoir envie de sauter quand il y a le grenouille. Bon. Cher ami. Putain, on dirait qu'il m'écrit une lettre, le gars. Voilà. J'adore, quoi. Je passe sur le truc, ça marche pas. Alors là, je sais plus comment faire pour l'autre. A tout hasard, on va utiliser le monde, mais ça m'étonnerait. Non. Mais non, mais alors là, mais je suis un attardé, moi, c'est pas possible. Non, mais là, vous... J'ai même pas d'excuses, quoi. C'est tellement débile. Ah oui, alors pour les coquillages, faut savoir que quand on en a 5 et 10, je crois, ou 10 ou 15, ou les 3, on va à la maison coquillage, on en a un supplémentaire à chaque fois. Ce qui fait qu'on n'est pas obligé de récupérer les 20. Donc là, bah, vous allez voir, c'est... Voilà. Il suffit de faire ça jusqu'à ce qu'on trouve. Bon, bien sûr, c'est pas le chemin le plus... Mais non, mais c'est pas possible. Voilà. Quoi? Ouh là là. Mais je l'ai déjà. Non, mais là je suis pas réveillé, hein. Je sais pas si je vais enregistrer la prochaine vidéo parce que. Voilà. Je vais y tomber. Voilà. Donc les chouettes toujours de bons conseils. Voilà. Donc là on retourne à l'entrée de la prairie. Vous savez quoi, on va se retrouver directement devant le donjon. Pour la prochaine vidéo. Le temps de me mettre 2-3 claques dans la tête pour me réveiller. Mais je pourrais pas parler plus fort la prochaine. Hein. Enfin bon, je raconte ma vie là. Donc manger du poulet, on pourra sentir. Allez, salut.